Ajaccio, de par sa position géographique et son climat et la douceur de son climat, est un lieu de passage et d'hivernage de toutes ces populations des tourneaux. À la nuit tombée, on le voit, des milliers des tourneaux viennent s'abriter en centre-ville et créent de nombreux désagréments. On le voit de la place Foch, en passant par la place des Palmiers, à la gare d'Ajaccio, le cours Grandval, le cours Général Leclerc, et ça crée de nombreux désagréments. Des désagréments d'ordre olfactif, désagréments d'ordre technique parce qu'ils salissent énormément. On le voit sur les sols, sur les voitures, sur les arbres. Donc nos services techniques sont obligés d'intervenir plus souvent. Et en plus de tout cela, il y a un risque sanitaire aussi parce que les étourneaux sont porteurs de bactéries. C'est pour cette raison qu'on lui a fait intervenir cette société. C'est une méthode qui est douce, une méthode qui est naturelle. On l'utilise dans de nombreuses régions. C'est pour ça. On a introduit une nouvelle technique aussi, c'est la pyrotechnie en plus. Donc la pyrotechnie avec des tirs de fusée pour désorganiser les vols des tourneaux. Et en plus de ça, ensuite il y a les vols des rapaces. Mon collègue adjoint aussi en charge du nettoiement a forcément besoin que ce genre d'opération réussisse. Ça permet de faire intervenir un petit peu moins les services de la propreté et du nettoiement. Sur Ajaccio pour faire de l'effarouchement étourneau et donc on a un mode opératoire assez spécial. On va commencer à la tombée de la nuit à l'aide de la pyrotechnie pour faire fuir les étourneaux, pour éviter qu'ils se posent sur les secteurs primaires, donc les endroits où ça s'est affecté, où il y a le plus d'étourneaux sur place. Ensuite on va utiliser la pyrotechnie, comme je le disais, pour faire monter les gros groupes d'étourneaux, vraiment pas pour les tuer, c'est vraiment pour leur faire peur. Et vu que là on intervient sur l'axe principal d'Ajaccio, il y a beaucoup de circulation, donc on utilise la fauconnerie en deuxième partie de soirée. Et à ce moment-là, nous on va lâcher les rapaces qui eux vont simuler des attaques sur les étourneaux. Et à l'aide d'une petite sonnette accrochée sur la patte de l'étourneau, l'étourneau va assimiler le bruit de la sonnette au prédateur. Et c'est ce qui va créer le sentiment d'insécurité envers les étourneaux et qui va les faire fuir. Là on intervient sur toute la semaine, à chaque fois c'est le soir. Et en général, en trois soirs, la population est gérée. Premier jour, donc lundi soir, quand on a commencé, il y avait une population d'environ 200 000 étourneaux. Le lendemain, il y avait une petite population d'environ 30 000. Et hier soir, il y avait 5 à 6 000 étourneaux. Et on verra bien ce soir, ça devrait encore diminuer. Comme je vous disais, on intervient sur les zones principales, donc les zones primaires. Ensuite, c'est à nous de trouver les zones secondaires parce qu'on va les faire fuir, mais pas très loin. Et là, c'est à nous de trouver les zones secondaires et de les faire fuir jusqu'à l'extérieur de la ville. Voilà, vraiment leur faire comprendre que le secteur est dangereux et pour les pousser à migrer, vu que ce sont des oiseaux migrateurs. Nous, notre but, c'est vraiment pas de les tuer, c'est vraiment de leur faire peur et de créer ce sentiment d'insécurité sur le secteur pour les faire fuir. Alors, les oiseaux, nous, on les élève, donc c'est tous des oiseaux nés et élevés en captivité. Après, c'est tout un art, c'est tout un travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience pour apprendre à l'oiseau à revenir, à travailler en ville, à ne pas avoir peur des voitures, des engins de chantier, etc. Alors là, on a 4 bus de haris et vu que ce sont des oiseaux qui sont grégaires à l'état naturel, ça nous permet de les faire voler en groupe, donc les lâcher à plusieurs. Et ça va fonctionner exactement comme une meute de loups, on l'appelle aussi le loup des airs, ce qui permet aux oiseaux de voler ensemble et de faire plusieurs attaques sur les étourneaux ensemble.